bienvenue sur la chaîne de l'atelier. Je voulais reprendre la caméra depuis notre dernier challenge des 20 jours pour remonter notre énergie. Et en fait, j'ai eu pas mal de choses à faire, donc je n'ai pas eu le temps. Je me suis dit que du coup, j'allais continuer sur ma lancée pour partager avec vous les petites choses qui m'inspirent. Je trouve que c'est toujours hyper agréable de découvrir ce que les gens font, ce qui les inspire, d'un point de vue créatif notamment. Et du coup voilà, pour ce printemps j'avais envie de continuer à partager avec vous tout ça d'une façon un petit peu plus naturelle. Donc j'espère que ces petites vidéos de saison vous plairont. J'ai déjà partagé pas mal de choses en relation avec les saisons, puisque c'est vraiment un fil conducteur chez moi dans ma façon de créer des bijoux à l'atelier, puis aussi dans mon style de vie au quotidien. Et voilà, là c'est le printemps qui est assez surprenant parce qu'il y a du beau temps, il fait froid, il fait chaud, il fait beau, il y a de la neige. C'est très très surprenant, mais j'aime beaucoup ça justement. Et du coup, moi en fait, je reprends vraiment toutes mes activités créatives. Là je sens que j'ai à nouveau l'énergie pour le faire. Donc du coup voilà, je vais partager avec vous un petit peu mes petits travaux que j'ai en cours. Alors il y a de la couture évidemment, il y a du coup du tricot et puis du scrap, on va dire un petit peu du scrap dans le sens où moi je pratique pas trop le scrap avec plein d'ajouts, de choses et d'autres, mais par contre j'aime toujours réaliser des albums photos papier. Avec des photos imprimées à l'ancienne. Voilà, c'est une de mes petites passions qui me prend pas beaucoup de temps et que je nourris pas très souvent, mais que je fais régulièrement dans l'année. Donc voilà, ce sont des petites choses que je vais faire et puis il y a plein de petites choses au quotidien que j'aimerais partager avec vous. Pourquoi pas des petites recettes de cuisine de saison. Tout ce qui est lié justement à la créativité féminine. Je dis ça dans le sens où j'aime bien relier un petit peu les choses avec la féminité, puisque c'est quand même une chaîne dédiée à la reconnexion à son féminin. Donc voilà. Alors pour commencer, donc il y a cette jupe que je me suis cousue la semaine dernière et que je trouve vraiment superbe. Elle me va vraiment très bien, je me sens bien dans cette jupe. J'ai vraiment fait mon maximum pour avoir de belles finitions, donc d'être très très régulière, ça m'a demandé beaucoup de concentration. Je suis très contente avec la finition de la ceinture, donc là j'ai fait un petit point à la main. Et puis ça c'est le devant de la jupe, donc c'est vraiment impeccable au niveau des finitions. Et il me reste, juste l'ourlet du bas à faire, sauf que j'avais plus de fil pour pouvoir le faire. Et il se trouve que j'ai reçu du coup un colis que je voudrais vous montrer. Alors du coup j'ai reçu ma première commande que j'ai passée chez ma petite mercerie. Donc c'est très mignon, ils font un petit cadeau, on a vraiment l'impression que c'est quelque chose de familial encore. Je connais pas du tout en fait cette enseigne et cette entreprise, hein, donc je découvre vraiment. Et en fait j'ai commandé chez ma petite mercerie des bobines de fil parce que du coup il me manquait encore des bobines de fil pour pouvoir terminer l'ourlet. Allez, voyons voir. Voilà, donc en fait il me manquait cette couleur pour pouvoir terminer ma jupe. Et j'ai pris d'autres couleurs de fil bleu parce que du coup j'ai un autre projet couture, donc une robe et des t-shirts, des petits tops, voilà, je préfère dire des tops, en bleu clair comme ça. Donc du coup j'avais vraiment besoin de ça. Et je suis très contente, ils ont livré rapidement, donc super contente. Et alors j'ai reçu également un colis, je vais ouvrir ça aussi en direct avec vous. Et voilà, c'est de la laine que j'ai reçue, donc je me replonge dans des projets en tricot. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de tricot, ça fait vraiment des années. Ça fait peut-être 8 ans que j'ai fait mon dernier projet tricot, donc je suis super contente de me relancer dedans. Et donc je vais me faire un gilet pour le printemps-été, j'ai choisi une couleur naturelle comme ça.
De chez Drops. Je vais aussi faire un modèle de chez Drops que j'aime beaucoup. C'est un nouveau modèle, je vous en reparlerai un petit peu plus. En tout cas, ça a l'air top. Moi j'aime beaucoup ce côté-là de la laine douce et pas du tout poilue parce que du coup moi je ne supporte pas du tout la laine qui gratte. Alors je pensais que les pelotes de laine seraient plus grosses. Je suis habituée à dans mes souvenirs à avoir des pelotes de laine beaucoup plus grosses. Mais écoutez, franchement, en tout cas, la couleur, c'est vraiment pile la couleur que j'avais vue sur le site internet. Donc je suis trop trop contente et j'ai vraiment trop hâte de me tricoter ce pull. Et alors sinon là vous allez pas trop trop comprendre ce que je suis en train de faire, mais je tricote un bonnet en fait. Je tricote un bonnet de naissance pour une copine qui a eu un bébé il n'y a pas longtemps. Donc du coup voilà, je voulais lui faire une petite surprise. Et voilà, le système D avec des épingles à nourrice parce que je n'ai pas de marqueur, mais voilà, ça fonctionne très bien. Donc mon prochain projet couture, c'est cette jupe-là, cette robe-là de chez McCall's. Donc j'ai vraiment hâte, j'ai déjà commencé à couper le patron. Sinon, j'avais fait cette petite composition pour l'arrivée du printemps et là les fleurs sont très fanées donc je vais les changer. En plus, je me suis pas du tout occupée de l'eau, j'ai pas du tout eu le temps donc là c'est vraiment le moment de tout changer. Par contre, je suis trop contente parce que je viens de m'apercevoir que le lierre était en train de grandir et il n'y a rien de plus satisfaisant en fait que de voir des fleurs qui ne fanent pas et qui continuent de pousser. Donc je pense que je vais récupérer cette branche de lierre et continuer à la faire grandir. Bonjour à tous, alors c'est un nouveau jour. J'ai bien avancé sur ma petite layette. Donc il y a le petit bonnet gris que j'ai commencé la semaine dernière, que j'ai terminé. Je vous le montre pas aujourd'hui, je vous le montrerai plus tard. Et du coup, comme j'ai bien compris son mode de construction, du coup, bah, j'en refais un deuxième en espérant m'améliorer. Et puis aussi, du coup, j'ai trouvé ce livre. Donc j'ai trouvé ce livre, Au bonheur des dames de Zola. C'est un livre que j'avais commencé à écouter en audiolivre. Et en fait, j'ai tellement aimé l'intrigue que je me suis dit que j'allais plutôt le lire. Et je suis très contente d'avoir trouvé cette édition pour 2 €. Parce qu'à l'intérieur, en fait, il y a des petites gravures. Je ne sais pas si je vais les trouver. Mais en tout cas, j'aime beaucoup parce que ça illustre bien bah, cette époque-là. Et ça plonge vraiment dans l'ambiance de l'histoire. Donc c'est vrai, c'est l'histoire d'une jeune demoiselle qui se retrouve bah, sans trop de moyens et elle doit aller à la ville pour réussir à faire vivre bah, sa famille et elle va commencer à s'intéresser du coup à un grand magasin dans Paris qui vend des vêtements et bon voilà, j'en suis qu'à là pour l'instant mais en gros c'est un peu ça marque le début de la vente des grands magasins. Et j'aime beaucoup cet univers de chiffon et aussi de l'aspect commercial. Vous savez, je suis entrepreneur, donc forcément, il y a aussi un lien avec le commerce que je trouve assez intéressant. J'ai vraiment très envie de me plonger dans cette lecture. Et puis voilà, ça accompagne un petit peu ma passion de la couture en ce moment. Sinon, j'ai aussi trouvé ce lot de draps à rayures que je trouve parfait pour les beaux jours et pour l'été. Et comme il y a des naissances dans mon entourage, je pense que je vais faire des petits vêtements pour filles et garçons dans un petit esprit, vous savez, de bord de mer. Voilà, j'aime beaucoup. Et du coup, je vais me lancer dans la confection d'une petite salopette pour un garçon. Et je pense que je vais aussi en profiter pour faire une petite robe pour une petite fille. Et le drap, c'était vraiment une bonne affaire sur Vinted. Il y en a vraiment beaucoup, je vais pouvoir faire beaucoup de choses avec. Et puis, je suis très contente de ça. Mais bon, ça s'ajoute à tous mes projets couture que j'ai en cours.
Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans un autre vlog, je vous avais montré quelques images de mon album photo. C'est une activité que j'aime beaucoup faire et j'ai pas pu la faire dernièrement parce qu'il me manquait des petits scotch pour pouvoir coller les photos à l'album photo. Moi, j'adore créer des albums photos papier. Je trouve que c'est une façon de mieux profiter de nos souvenirs. On peut raconter des histoires aux personnes qui viennent bah, chez nous. On peut partager ces moments. Et puis moi, ça me fait du bien de me reconnecter à des bons souvenirs, des bons moments. Donc voilà, j'aime beaucoup cette petite nostalgie de la photo papier. Donc là, c'était toute une partie de photos quand on était en Bretagne et qu'on a visité Concarneau avec mon compagnon. Donc comme on a de la famille en Bretagne, on y va assez régulièrement et c'est un plaisir pour moi de partager bah, ce pays avec mon amoureux. Moi, j'ai choisi un grand livre parce que je trouve que ça fait vraiment histoire familiale, j'adore. Et puis j'aime beaucoup ce type de grand album photo parce que ça me rappelle bah, mes albums photos d'enfance de mes parents. Et voilà. Je vous montre un petit peu comment j'aime mettre mes photos. Donc je suis pas vraiment à fond dans le scrapbooking. Moi, ce que j'aime quand on visite des endroits, c'est vraiment capturer l'atmosphère de la ville. Ce qui me plaît, ce que j'aime voir, les couleurs et les petits détails dans les monuments qu'on visite. Par exemple, ici c'était à Honfleur et voilà, j'ai adoré les petits détails dans le musée, les vieilles lettres, les cartes anciennes, les objets dans les reconstitutions. Donc là, c'était surtout de la verrerie. Donc j'ai bien aimé voir ces vieux objets. Vous savez que j'aime beaucoup chiner, j'aime beaucoup les objets anciens. Et voilà, j'aime toujours garder un souvenir des lieux, donc avec le parquet ou les portes. Ici, j'avais beaucoup aimé le vitrail, qui est donc un vitrail ancien, soufflé à la soufflé bouche, comme on dit chez les souffleurs de verre. Les poignées de porte. Tout ce qui fait en fait le patrimoine, la beauté des lieux en fait finalement. Là ici c'est ma plage préférée dans le sud de la Bretagne, dans le Finistère Sud. Et alors si un jour vous faites des chouquettes pour partir en vacances, ne les mettez surtout pas dans un torchon parce que vraiment ça va ruiner vos chouquettes, gardez-les dans une boîte. Et ça c'est mon endroit préféré, c'est vraiment ma petite crique préférée, c'est même la petite crique préférée de la famille en Bretagne, donc dans le Finistère Sud. Et wow, quand je vois la couleur de la mer, la nature et tout, là j'ai trop envie d'y aller. Bon, vous avez pu le voir, j'ai filmé plein de petits moments, de petites activités que j'ai fait pendant le mois d'avril. Et puis aujourd'hui, là, je prends la caméra, mais je suis un peu fatiguée parce que c'est la fin de la journée. Et surtout, on vient de déménager un grand grand meuble. Et je vais tout vous raconter à propos de ce meuble. En fait, ça va être mon meuble consacré en majeure partie à la couture. Et si j'ai de la place en fait à bah, tout mon papier pour la peinture, tout mon matériel d'aquarelle et tous les petits trucs un peu qui traînent et qui prennent de la place un peu partout. Donc je suis vraiment contente et j'ai hâte de vous montrer du coup ce projet de rénovation de meubles. C'est un truc que j'aime bien faire de temps en temps. J'ai jamais rénové vraiment de meubles à part des petites choses. Donc là c'est un grand projet.
mais j'ai une bonne source d'inspiration et je vais vous raconter tout ça. Alors, vous n'allez pas le voir vraiment réellement parce qu'on a démonté les portes et les tiroirs pour pouvoir la déplacer, mais c'est une petite commode en fait des années 50 qui était en fait une armoire pour les enfants. Et elle est juste parfaite pour que je puisse y mettre tout mon nécessaire à couture, machine à coudre. Ici, il y a des tiroirs, je vais pouvoir mettre tous les boutons, les rubans, les bobines de fil. Ici, il y a des étagères, je vais pouvoir ranger les coupons de tissu, les machines à coudre et plus peut-être. Ici, certainement que je vais y mettre les livres qui vont être autour du coup de la couture. Et là, je vais pouvoir mettre ma petite boîte à couture et je pense que je mettrai une petite plante, on verra. En tout cas, voilà. Bon, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un meuble qui rentrait dans cet espace et qui prenne pas trop de place en profondeur. Et donc, c'est peut-être pas l'option qu'on aurait choisie de base, mais écoutez, on va voir ce que ça va donner. Comme vous pouvez le voir, du coup, les peintures sont assez abîmées. Tout est écaillé. À l'intérieur, c'est l'ancienne couleur. Donc avant, elle était bleue. Et du coup, je vais avoir pas mal de travail de rénovation. Mais j'ai une idée qui m'inspire énormément pour ce meuble. Et voilà, j'ai beaucoup aimé le pied comme ça, arrondi. Je trouvais que ça lui donnait un petit peu d'élégance parce que c'est quand même un meuble qui peut vite paraître tassé. Et aussi on avait des doutes sur le fait que vous voyez le design un peu années 50 avec les bords arrondis. On avait peur que ça n'aille pas trop dans notre déco actuelle. Et en fait écoutez, je pense qu'après un bon coup de peinture, je pense que ça ira bien. Vous voyez, on a encore la lampe. Ne faites pas attention à cet objet de décoration. On a encore la lampe qu'on nous a laissée quand on a emménagé et qui nous dépanne bien en attendant de trouver quelque chose. Donc ici en fait c'est la porte et à l'intérieur il y a donc le miroir, et je trouve ça super d'avoir le miroir quoi, c'est parfait pour un meuble à couture. Et en fait je crois que j'aime beaucoup ce meuble, j'espère qu'on va s'habituer à lui parce que c'est très bizarre quand on a un nouveau meuble dans un appartement, on sait jamais vraiment si ça va bien se marier avec le reste. Il faut faire des essais je suppose pour voir si ça fonctionne ou pas. Vous voyez, moi j'aime bien les meubles un petit peu anciens. Là c'est une commode qui est neuve mais qui faisait un petit peu meuble de métier. Donc j'ai ce meuble depuis des années. Et là ce sont les tiroirs de la commode. Donc vous voyez, toujours avec les petites finitions arrondies. L'intérieur, il y a du nettoyage à faire et puis je pense que je vais repeindre aussi tout l'intérieur. Mais je vous dis pas tout. Je vais garder quelques surprises pour l'objet final. Et par contre les poignées, je pense que je vais les changer parce que ça fait un petit peu trop cuisine pour moi. Donc je vais essayer de trouver quelque chose de plus harmonieux pour que ça se fonde un petit peu mieux avec nos autres meubles. Donc pourquoi pas des poignées comme ça, mais bon, je sais pas si ça va le faire avec un meuble années 50. Je suis pas sûre que ce soit le même type de meuble, je sais pas. On verra.